À cause de tout ça, je suis en retard à l'anniversaire de Marie. Je vais mourir. Je suis trop triste. On verra qui fera le premier pas. En tout cas, ce sera pas moi. On m'a dit t'es dangereux, mais t'es mignon. Ah, c'est mon compagnon. Il va te ramener des problèmes, je sais. Moi j'aime bien, tu connais. Quand c'est pimenté. Tu les autres quand je suis dans les parages. Ton mec rêve de faire le Billy, moi ça fait des années que les faits. Allô, j'ai pris ton numéro, j'ai la cousine de Jalo. By the way, tomorrow, come to the tour. Elle est jalouse de mon anglais parce qu'elle ne sait pas parler anglais. Ta gueule, je suis presque bilingue. Il y a des gens autour de vous qui font semblant avec de grands sourires qu'ils vous aiment, mais ils rêveraient d'être à votre place. Ils font semblant de vous apprécier et d'être heureux pour vous, mais ils rêveraient que ces bienfaits disparaissent. Préservez les bienfaits que vous avez en ne les divulguant qu'aux personnes que vous aimez vraiment et en restant discret au maximum. Ainsi, vous allez réussir. Changer les couleurs, ouais. Aussi ça peut être joli. Bon, c'est trop, franchement, j'aime trop. Est-ce que tu pourras me les donner? S'il te plaît, tu me donnes, je te les donne, j'adore. Bon, ça va, chérie. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Bonjour Dior, ça va mon enfant? Ça va mon amour? Ça va mon amour? Vous savez, quand il y a ma mère, je sais pas pourquoi, mais Hermès il est méchant avec moi. Coucou la boulette à sa maman! Coucou le nerveux, le grincheux! Oh 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 oh! Il arrive. Oh, vous vous faites des bisous. Oh, ils sont mignons. Regardez mes bébés. Re mes bébés, je suis désolée. J'ai pas été active aujourd'hui. En fait, je vous explique. Vous avez vu, il y a quelques jours, je vous ai fait un long message. Je vous ai dit oui, c'est vrai qu'en ce moment, voilà, je suis plus trop active et tout. Je suis désolée, je vais revenir plus forte et tout. Enfin, plus forte. Je vais revenir beaucoup plus active et tout. Et ben malheureusement, il y a eu toutes ces histoires qui m'ont énormément affectée. J'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que ça va bien dans ma vie, il se passe un truc et après, ben, ça va mal. Du coup, aujourd'hui, j'avais pas envie de calculer mon téléphone.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé mon téléphone et j'ai regardé la télé française. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas regardé la télé française. Donc j'ai regardé la télé française toute la journée. J'ai fait une sieste, j'étais avec ma mère. Tranquillement. De redevenir comme avant et d'être beaucoup plus active sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, en tout cas cet après-midi avec ma maman en mode dimanche, ça m'a fait penser à quand j'étais jeune, quand on vivait ensemble avec ma mère, tous les dimanches quand je travaillais, quand j'étais assistante dentaire, tous les dimanches avec ma mère, on faisait le ménage et on regardait là, les émissions sur la 1, sur la 6, on passait nos après-midi à faire ça, à se reposer, parce que le dimanche, vous le savez, pour moi, c'est important de se reposer. Et on faisait ça, donc on se levait le matin, on faisait le ménage. Ensuite, on faisait notre douche et tout, nos cheveux, notre brushing et tout. Et on regardait les émissions de la 1 et de la 6. Et on faisait une sieste sur le canapé. Et le lendemain, le lundi, on retravaillait. Donc là, c'est ce qu'on a fait avec ma maman aujourd'hui. Et franchement, ça nous a fait trop du bien. Voilà, mes petits bébés d'amour, je vous aime trop. Bref, je vais aller en bas là avec ma mère. J'aime trop traîner avec ma mère. Ma mère et moi, genre, vous savez, je suis très, on est très fusionnels, ma mère et moi. Et genre, on se dispute beaucoup, ma mère et moi. On s'engueule beaucoup. Mais c'est parce qu'on est trop fusionnels. Genre, ma mère, elle fait partie intégrante de ma vie. Je l'aime. Et mes bébés, je t'ai les lumières partout en même temps. Je laisse les lumières allumées à chaque fois. Franchement, j'ai trop hâte de vous parler de ce que j'ai fait ces derniers jours. Mis à part pleurer, parce que ça, je peux vous le dire, mais ce que j'ai fait ces derniers jours, c'est secret. C'est trop bien. Et je pense que vous allez kiffer mes bébés. Bref, là, j'ai faim, mes bébés. Je vais aller me faire une petite salade. Moi, j'adore le saumon fumé. Et les concombres. En ce moment, je sais pas, j'aime trop ça. Donc, je vais me faire une petite salade. Aussi, je garde la ligne. Maman ? Oh, elle est où, ma mère ? Je crois qu'elle est dans sa chambre. Maman ! Coucou ! Tu es à la piscine ? Fais un bisou à Somaya. Bah, bisou de Maïva. Attends, je te la montre. Coucou, Somaya ! Regarde. Coucou, maman ! Tu fais quoi, Mounette ? Je fais à manger. J'ai trop faim. Je suis là-dedans. Tu fais quoi manger? C'est trop bien d'avoir sa mère. Ah, continue. Qui joue mal, ma mère. Bien sûr, je vais pas m'en priver. Hein. Faut que je maigrisse. Bien. Tu m'as dit que j'étais grosse. Non, tu avais pris du poids. J'ai pris du poids. Je vais maigrir. Tu vas voir, je vais tout le perdre du poids. Et tu penses au moins. Mais bébé. À chaque fois, vous me demandez comment je fais pour garder mon volume et mes fesses rondes. Moi, vous le savez, ça fait des années. Je prends Dose Beauty, c'est la crème avec la volufine. Donc, c'est toujours la rangée dans ma salle de bain. C'est trop bien. Je vous explique, mes bébés. En fait, la volufine, c'est un produit. Ça fait carton aux États-Unis. Maintenant, ça fait plus de 2 ans que j'utilise la marque Dose Beauty. Que c'est le numéro 1 en France. En fait, la volufine, ça donne du volume aux fesses, enfin aux parties. Et celle-ci, elle est faite spécialement pour les fesses. Donc, ça donne du volume, ça enlève les vergitures, ça retend la peau. Et c'est comme ça que je garde la rondeur de mes fesses. Et c'est vraiment trop bien toute ma vie. J'aime trop mes bébés. Et c'est vraiment comme ça que je garde mes fesses rondes. De voir ça, c'est dégueulasse. Putain, je suis trop deg, j'aime trop ma bougie.
En fait, il y a quelqu'un qui a cendré dans ça. Si je sais qui c'est, je lui arrache la tête. Vraiment. Je vais le nettoyer. Je suis en train de nettoyer ma bougie. J'aime trop l'odeur. Donc, je le fais avec une brosse à dents. Hein. Après, je vais la jeter à la poubelle. Parce que j'ai pas envie de la jeter, ma bougie. Je l'aime trop. Elles sont trop longues, c'est sale. Je sais pas qui a fait ça. Ça me dégoûte. Vous pensez que je peux la récupérer, ma bougie? Ça y est, je l'ai réparé. En plus, je l'aime trop. C'est à Paradjan, la bougie. Je vous jure, l'odeur, elle est incroyable. Oh là là, elle est comme neuve. Je vais tout nettoyer. Par contre, ça fait du bruit. Oh, je vous jure, l'odeur des bijoux à des bougies à Paradjan, mes bébés, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vous savez, c'est la marque de bijoux. Bref, revenons à nos moutons. La crème de chez Dos Bucci, elle est vraiment trop bien. Donc, si vous voulez donner du volume à vos fesses sans passer par la case chirurgie, ça donne vraiment du volume, ça retend la peau, donc ça enlève la cellulite. Donc, il existe celle pour les fesses, moi j'utilise que celle-là. Sinon, il en existe une pour les seins qui fait la même chose. Bon, moi je l'utilise pas parce que j'ai des prothèses mammaires. Mais sinon, c'est vraiment trop bien. Voilà, c'est un produit qui est français. C'est testé dermatologiquement. Logiquement, et je vais vous montrer comment c'est. Donc, je vous montre la crème. Donc, la crème, c'est une crème qui est assez grasse. Et comme vous pouvez le voir, il y a des petits grains. Vous voyez, des petites boules. Et en fait, vous en mettez, il faut masser la zone pendant 5 minutes et la faire pénétrer. En fait, les boules, elles vont comme s'exploser et genre ça va devenir huileux. Et vous faites bien pénétrer. Donc, le résultat, mes bébés, vous voyez. 20 jours. Par contre, il faut être vraiment assidu. Il faut en appliquer tous les jours, deux fois par jour. Vous faites après votre douche, donc matin et soir. Et vous massez pendant 2 à 3 minutes. Il faut bien faire pénétrer la crème. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est qu'au début, ben, je le faisais tous les jours, deux fois par jour. Et maintenant, je le fais 3-4 fois par semaine. Ça suffit. Et c'est comme ça que je garde la rondeur de mes fesses. Vous avez 30% de réduction avec mon code promo MMEB. C'est cumulable avec les réductions qu'il y a déjà sur leur site internet. Et vous avez le paiement en 3 fois sans frais. Donc je vous partage ça de suite. Je suis trop contente, j'ai bien récupéré ma bougie là. Ils sont trop bons. Je l'éteins pour le moment. Bon, moi je vais aller manger. J'ai très faim, il est tard là à Dubaï, il est 22h. Coucou maman, c'est prêt? Coucou toi, coucou mon fils. J'ai trop faim. T'as fait le riz dur, genre basmatique. Ah, mais tu veux du beurre? Ça y est, c'est mis déjà. Ça s'appelle une rizière. La machine à riz, trop bien. Trop bon. Non, le riz ou moins la crème. Regardez, ma mère, elle m'a fait quoi? C'est trop bien d'avoir sa mère à la maison. Trop bien manger. Non, le bébé. Là, vraiment, c'est comme à la maison. Genre, je mange, je regarde la télé en même temps. Et moi, mes bébés, j'aime trop la riz. Ça, j'en mets partout. Là, elle est à côté de moi. Comme ça, quand j'en ai plus, j'en remets. Je mange la riz avec tout. Même les pâtes.